Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne TELP. Donc aujourd'hui, j'ai une petite vidéo puisque ma fille s'est amusée avec mon téléphone portable et a activé le mode Talkback. Je ne sais trop comment on le dit. Hein. C'est un mode hein, en fait, qui est fait généralement pour les aveugles et malvoyants. Et c'est vrai que du coup, le téléphone va plus du tout fonctionner de la même manière. Donc là, hein, là pour l'instant, par exemple, pour aller sur Internet, je clique une fois dessus. Voilà, je vais sur Internet, hein, tout simplement. Là, je vais aller activer hein, le mode Talkback pour vous montrer les effets que ça fait. Donc là, je vais aller dans Paramètres. Donc moi, je vais être obligé de baisser sur ce téléphone-là et d'arriver jusqu'à Paramètres supplémentaires pour pouvoir aller dans Accessibilité. Mais il y en a qui ont directement Accessibilité. Généralement, tout ce qui est Samsung, vous l'avez. En gros, hein, juste en baissant ici, vous allez avoir directement Accessibilité. Donc je clique dessus. Là, moi, je vais aller dans Vision. Et ici, il y a écrit Talkback. Donc là, je vais l'activer pour vous montrer comment le désactiver, tout simplement. Donc, hop là, je vais dessus. Je fais autoriser. Voilà. En plus, j'ai reçu un message là, il y a très peu de temps d'une personne qui a exactement le même souci et qui n'arrive pas à le retirer. Donc, j'espère que cette vidéo-là te sera utile hein, aussi. Donc là, je vais revenir en arrière. Donc là, je suis revenu au menu, hein, on va dire, enfin, au menu d'accueil hein, de votre téléphone. Par exemple, là, si vous voulez aller sur Internet via ce mode-là, il va falloir, hop là, par exemple, pour Google, cliquer une fois et après faire un double clic. Tac, tac. Et là, vous avez Chrome qui est ouvert. Hein. Toc, pour repartir, c'est pareil. Donc là, pour pouvoir aller dans les paramètres, je vais utiliser mes deux doigts. Je vais descendre. Voilà. Si vous utilisez qu'un seul doigt, ça ne fonctionnera pas. Il faut utiliser ces deux doigts. Vous cliquez une fois sur Paramètres. Double clic ensuite. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes deux doigts. Hop là. Et je descends. Donc, Paramètres supplémentaires. Je clique une fois. Je reclique deux fois. Accessibilité, je clique une fois. Je reclique deux fois. Donc moi, je dois aller dans Vision. Donc, je clique une fois Vision. Je redouble clic. Talkback. Je double clic. Ah. Je clique une fois. Je double clic. Et ensuite, pour accessibilité, hein, tout simplement, c'est autorisé ou pas. Je clique une fois et je reclique deux fois. Et là, arrêtez. Une fois. Double clic et là il est désactivé. Donc là pour toutes les personnes qui ont ce souci-là, à partir de là, votre téléphone réagit normalement. Donc c'est pas compliqué, mais quand tu ne sais pas, eh ben, tu peux prendre un certain temps avant de comprendre comment le retirer tout simplement. Moi quand ça m'est arrivé, le jour où ça m'est arrivé, c'est vrai que j'ai dû aller voir sur internet pour savoir comment hein, réussir à désactiver. Déjà c'était quoi? Puisque quand on ne sait pas, là c'était écrit Talkback. Mais à la base, quand tu sais pas c'est quoi, tu sais pas c'est quoi. Donc, bon, c'est pas compliqué, mais il faut le savoir. Cette vidéo t'a été utile et t'a permis hein, de remettre ton téléphone en service, entre guillemets. Je t'invite à mettre un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas à t'abonner. À plus tard!